juste un instant, pas se tromper. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour aujourd'hui ce direct Retro Movies. Et oui, j'ai décidé de le faire en live pour vous parler d'un film qui, bien sûr, est important dans ma filmographie, en tout cas à mes yeux. Comme vous le savez, j'essaie de vous parler à chaque fois de films dont on va dire, on ne parle plus beaucoup, qui sont un peu oubliés, je dirais, dans les carrières de certains réalisateurs. Et aujourd'hui, je tenais donc à revenir sur, encore une fois, un film qui fait partie de cette vague absolument brillante des années 70, des films donc complotistes, des films avec une paranoïa exacerbée autour, bien sûr, d'événements qui pourraient très bien arriver dans la réalité. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un thriller avec une connotation, comment dire, légèrement, je dirais, parfois qui pourrait faire penser, bien sûr, à quelque chose de presque fantastique dans l'ambiance, parce que figurez-vous que ce film, donc The Parallax View ou à cause d'un assassinat, a été sélectionné au Festival du film fantastique d'Avoria en 74. Et donc, il a aussi quelque chose qui peut faire penser donc à quelque chose d'un légèrement, je dirais, un zeste de fantastique, je dirais, de par la société, en tout cas, quelque chose qui se trame, en tout cas, une organisation, je n'en dis pas plus. Mais je tenais quand même à vous saluer avant de commencer donc sur ce film, avant de commencer de rentrer en détail sur ce film. Je vais tout de suite vous remercier dans le chat en commençant donc par les habitués qui sont ici présents aujourd'hui. Donc La Moelle Épineuse, Grégory bien sûr, John, John the Fool, Terry Mittig, salut et je vais bien, merci Terry. Je pense également Pat Otaku, voilà. Donc j'espère que je n'oublie personne en tout cas, et David Joubert aussi. Je remonte un peu le chat. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Je pense que oui. Je pense que vous m'entendez bien. Alors, voilà. Donc, je vais commencer donc aussi à vous mettre pour me rejoindre pour ceux qui veulent échanger avec moi sur ce film. D'abord, je vais présenter le film. Ensuite, je vous mettrai un lien pour venir échanger avec moi, bah, si vous avez envie, bien sûr. Sinon, je continuerai de mon côté, comme je fais habituellement quand je fais ces vidéos en solo. Voilà. Donc, les complots, ça existe, comme dit John the Fool, rien qu'à l'assassinat de JFK. Donc, ici, le complot est beaucoup plus, je dirais, quelque chose qui, bien sûr, il y a la quête de vérité, mais le complot, bien sûr, existe, hein, et a toujours existé. Et ici, je trouve que la façon dont il est traité, en tout cas, c'est un des meilleurs films de complot que j'ai pu voir. Ce à cause d'un assassinat. Voilà, donc tout part de là en fait. Et donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir partager ce moment avec vous par rapport à ce film, parce qu'il faut vous faire connaître des films. Il faut vous faire connaître des films justement de ce genre. Il faut parler de tout dans le cinéma de genre, et en particulier de réalisateurs qui ont abordé des sujets de cette trempe avec vraiment une idée, un fond, le fond et la forme, bien sûr, aussi brillantes l'une que l'autre, on va dire. Je vais vous mettre quand même le petit lien pour après, comme ça vous l'aurez. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite à vous mettre, on va dire, dans le contexte du film. Ensuite, je reviendrai sur différentes choses, sur différents points du film. Alors, on viendra également, donc, selon mon, selon mes notes, donc, selon différents donc, chapitres, l'introduction de l'histoire, bien sûr, tout ce qui concerne, bien sûr, l'esthétique, les thèmes abordés, la mise en scène, les performances d'acteurs, je l'ai dit, l'héritage du film, la conclusion sur le film. Voilà. Donc, j'aborderai différents points, comme je fais maintenant dans mes rubriques maintenant, c'est donc plus structuré, on va dire, que ce que je faisais avant. Donc, voilà. Je suis ravi de pouvoir donc vous parler de ce film et je vais vous mettre tout de suite, bien sûr, pour vous mettre dans le ton et dans l'ambiance du film. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, ça ne spoil pas, mais je vais vous mettre tout de suite donc la bande-annonce, le trailer d'époque. Alors, très court, hein, il n'est pas très très long, mais au moins vous aurez, excusez-moi, une idée globale. Alors, j'espère que vous m'entendez bien quand même au niveau du son. Confirmez que vous m'entendez bien. S'il vous plaît, avant que je lance la suite.
fais Atreyu ou je pleure? Oui, c'est Atreyu, c'est ça. C'est bien Atreyu. Ou Arcania, comme tu veux. Mais oui, Atreyu, c'est donc mon blog qui s'appelle Les Chroniques d'Atreyu. Voilà. Donc, je vous lance tout de suite donc le petit trailer et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Attendez, je vais couper la musique d'abord. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Independence Day is very meaningful to me because sometimes I've been called too independent for my own good. It is the conclusion of this committee that Senator Carroll was assassinated by Thomas Richard Linder. The committee wishes to emphasize that there is no evidence of any wider conspiracy. No evidence whatsoever. These people were killed. And whoever killed them is going to try to kill me. If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work of your life. This story is going to mean more to me than $10,000. Fella, you don't know what this story means. Alors voilà donc le court extrait, hein, trailer rapide quand même du film, pour vous donner un peu une idée du contexte de ce film absolument brillant pour moi en termes d'écriture et de mise en scène. Alors Alan J. Pakula, je vais faire un petit topo quand même sur Alan J. Pakula, qui est le metteur en scène. C'est quand même un réalisateur qui a compté dans le cinéma américain. J'aimerais bien que vous me citiez un film au moins de Alan Pakula que vous connaissiez, parce que j'espère quand même que vous avez vu quelques films de ce réalisateur. C'est vrai que de prime abord, tout le monde ne connaît pas Alan J. Pakula, mais il faut savoir qu'il a quand même réalisé quand même des films. Celui-là n'est pas malheureusement le plus connu et reconnu. Il a gagné avec le temps sa reconnaissance, mais quand même, sachez que Pakula est un réalisateur qui a quand même une carrière assez intéressante. Vous êtes en train de les citer. Évidemment, Clute, très bon avec Donna Sutherland et Jane Fonda. Dream Lover, qui n'est pas son meilleur pour moi, malheureusement, qui avait eu le Grand Prix Avoriaz en 1986. Les Hommes du Président, excellentissime. C'est un film qui viendra juste après, justement, la période, deux ans après, à cause d'un assassinat, en 1976. Et c'est un film aussi, la présidence de Nixon, en fait, une enquête autour du Watergate, du scandale du Watergate. Et il y a eu des très bons films, comme vous me citez, bien sûr. Greg cite Le Choix de Sophie, absolument génial. L'affaire Pélican, bien sûr, Présumé innocent. Et surtout, bien sûr, ces films absolument géniaux que sont Les Hommes du Président. Et bien sûr, celui-ci. Et puis, moi, il y en a un que je citerai également de Alan Pakula, qui me plaît beaucoup. C'est Le Souffle de la Tempête. C'est une sorte de western plutôt moderne, en fait, qu'il avait fait avec James Caan, qui est un très beau film également. Bon, après, il a une filmo à peu près, on va dire, une quinzaine de films, pas énorme, mais il a également fait office de producteur. Il a eu deux Oscars, celui du meilleur réalisateur pour Les Hommes du Président en 77 et le meilleur scénario pour adapté pour le Choix de Sophie. Alors, maintenant, je vais revenir en détail maintenant, si vous le voulez bien, donc le film en question que je vais vous présenter avec grand plaisir, donc avec quelques images quand même pour vous mettre aussi du visuel par rapport au film. Et on va commencer tout de suite par l'histoire du film. Je vais commencer directement par le récit. Qu'est-ce que nous raconte en fait à cause d'un assassinat ou The Parallax View? Alors, le film donc commence par l'assassinat en fait d'un sénateur américain lors d'un rassemblement politique sur un pont. Joseph Prédy, qui est joué par Warren Beatty, c'est un journaliste qui assiste à l'événement, qui ne parvient pas à intervenir pour empêcher ce meurtre. Donc cet événement traumatisant finit par le hanter, le motive à découvrir donc la vérité sur ce qui s'est réellement passé.
en vient une enquête, l'enquête de ce journaliste, donc Freddy, qui commence à mener donc ses investigations sur l'assassinat du sénateur et qui découvre des éléments troublants qui suggèrent qu'il y a plus que ce qu'il ne semble être. Donc, il rencontre aussi des témoins qui sont morts dans des circonstances mystérieuses, ce qui renforce donc pour lui ses soupçons sur l'existence, en effet, d'une conspiration. Voilà. Et en vient, suite à cette enquête, donc la découverte de la Parallax Corporation au cours de ses investigations. Donc, il découvre l'existence d'une mystérieuse société secrète appelée donc la Parallax View, Parallax Corporation, cette entreprise donc qui recrute des individus. Voilà. Je ne dis pas pourquoi, comment ils font et qu'ils les transforment donc, pour en faire des tueurs à gages. Par contre, je ne vous dévoilerai pas la suite de l'histoire parce que ça pourrait donc spoiler quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Donc, le film va se dérouler autour de plusieurs de cette enquête et c'est absolument passionnant parce que déjà en termes d'écriture c'est vraiment très très bon et puis on a vraiment, attendez, je vais changer les photos au fur et à mesure parce que je gère tout en même temps, donc c'est pas évident les photos, tout le reste. C'est un film parano comme dit non, alors pardon, tu parlais sûrement d'un autre film, Terry. Et bonjour à Mouad aussi que je n'avais pas vu dans le chat. Voilà, donc, ce film, donc, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je crois que vous m'entendez, oui, absolument. Donc, on continue. Attendez, oui, voilà, c'est ça que je voulais vérifier. OK. Donc, en fait, l'enquête de Freddy, donc, jouée par Warren Beatty, qui est absolument géniale dans ce rôle, voilà, et donc, une enquête, comme je l'ai dit, qui va s'avérer très mouvementé, avec beaucoup de rebondissements. Et ce qui est absolument intéressant, c'est dans ce film, on va dire, donc, qui fait partie de cette vague de films complotistes, paranoïaques, où justement, ils sont liés souvent, donc, bien sûr, à la politique américaine, donc aux luttes de pouvoir, etc. Et donc, aux arcanes, en fait, du pouvoir et, aux, je dirais, aux dessous, en fait, de ce que de ce que l'ambition de certains dirigeants ou hommes dans l'ombre donc essaient de changer à la face du monde pour apporter par exemple un nouveau régime, une nouvelle façon de penser. Et ici la façon dont sont recrutés les tueurs, c'est absolument fascinant de voir comment donc Alan Pakula donc réussit à avec l'aide de son scénariste bien sûr à rendre cette histoire vraiment captivante. Parce que c'est vraiment une histoire très captivante. Alors, le scénario, par contre, excusez-moi, c'est une adaptation d'un roman hein, de Lorraine Singer. Le scénario, c'est David Geller et Lorenzo Semple. Hein. David Geller qui a souvent travaillé avec Walter Hill. Il faut savoir que le film, il a gagné, je le précise quand même, le prix de la critique lors du festival du film fantastique d'Hawaï 75. Et vous me direz pourquoi ce film a été sélectionné alors que c'est un thriller, hein, c'est pas vraiment un film fantastique. Je pense que l'ambiance de film, comme je l'ai dit au début, relate quelque chose qui pourrait nous faire comme ça un complot quand même d'envergure assez qui fait presque partie de quelque chose qu'on imagine mal arriver dans la vie d'aujourd'hui. Et pourtant, ça pourrait arriver. Je pense que le film est tout à fait plausible de ce point de vue-là. Et donc le film avait été sélectionné donc à Voriaz et c'est sans doute peut-être je pense par rapport à l'histoire qui peut-être fait penser aussi à de par la Parallax Corporation à quelque chose bien sûr d'imaginaire donc de potentiellement fantastique dans l'approche voilà. Et puis Greg qui nous dit l'intérêt du film c'est qu'on n'a jamais la raison de tout ce qui se passe ni les commanditaires, absolument. Les frères Cohen sont fans de ce film. Ouais, ça ne m'étonne pas, puisque eux-mêmes ont déjà œuvré un peu dans ce genre de film avec Barton Fink ou avec, il y en a un autre qui me vient à l'esprit, c'est The Barber, je crois. Il y avait un côté aussi un peu étrange. Là, ici, le film, c'est vrai que dans ce film, il y a un côté étrange également. Alors, attendez, je vais vous mettre la suite des images quand même parce que, voilà. Tac. Et les affiches sont superbes, hein, d'ailleurs, sachez-le.
Voilà. Donc, c'est un film qui est bavard, qui a quand même beaucoup de dialogues. C'est un film qui donc comporte quand même une enquête. Bah, je vous l'ai dit, heureusement, quand un film est basé sur ses dialogues, il faut que ça reste passionnant. Mais le film prend une envergure dans sa dernière partie absolument intense en termes d'histoire qui, justement, devient de plus en plus, je dirais, oppressante de par les faits, les événements que le journaliste découvre. Donc, c'est un film vraiment passionnant d'un point de vue, comme je l'ai dit, enquête en elle-même, de par, je dirais, la qualité des acteurs, la qualité de la distribution, la qualité des dialogues, mais aussi, comme je l'ai dit, et plus vers la deuxième moitié du film, vers comme l'enquête s'intensifie, bah, la mise en scène également donc joue du rythme de l'enquête, on va dire, pour devenir beaucoup plus intelligente dans la façon de filmer. Et ce qui est intéressant, c'est aussi donc que donc Pacula donc ici il utilise une mise en scène comme je l'ai dit donc assez méticuleuse avec des techniques cinématographiques ce que j'ai noté donc innovantes et ce qui crée une atmosphère tendue et oppressante avec beaucoup d'angles de caméra assez inhabituels, des jeux de lumière et d'ombre. D'ailleurs, je vais vous montrer 2-3 images hein, par rapport à ces jeux de lumière et d'ombre. La musique anxiogène aussi qui contribue à renforcer, vous l'avez entendu, je vous l'ai mis au début du live, qui contribue à renforcer le sentiment de danger et d'intrigue. Donc, la musique est signée chez Michael Small. Et puis, vous avez aussi donc, les performances d'acteurs, donc, j'ajouterai, avec Warren Beatty qui donc, est très convaincant dans le rôle de cet anti-héros cynique et déterminé, parce que cette quête de vérité va vraiment l'obséder. Hein. Comme souvent dans les films de complot, en fait, on recherche la vérité du pourquoi, du comment par rapport à ce complot. Et en mettant sa vie en péril, évidemment. Donc, il y a toujours le côté aussi suspense, puisque le film comporte un bon suspense. Et c'est vrai que c'est ce qui, pour moi, ce qui fait l'intérêt de À cause d'un assassinat, c'est vraiment son intrigue. Au-delà, bien sûr, je dirais, du contexte historique, puisque le film il sort en pleine période, donc en 1974, post-Watergate. Donc, post-Watergate. Avant donc que Pacula réalise Les Hommes du Président en parlant de l'affaire Nixon. Donc, c'est une époque marquée par la méfiance généralisée envers le gouvernement et les institutions, d'où le côté paranoïaque. Donc, cette ambiance que Pacula instaure de paranoïa et de suspicion, pour moi, il la capture de manière magistrale et c'est ce qui fait que j'aime ce film. Donc, c'est vrai qu'ici, il utilise au-delà de cette histoire, tous les artifices qui contribuent à l'intérêt aussi, je dirais, esthétique du film, de par la mise en scène de Pacula, comme je l'ai dit, qui a vraiment des idées en termes de mise en scène par rapport au jeu d'ombre, de lumière, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre des images par rapport à ça. Et salut à Masterfield. Voilà, je vais vous mettre également, vous pouvez venir discuter un peu avec moi. Je vous l'ai dit, le live dure à peu près une heure. Je vous mets un petit lien si vous souhaitez, si vous avez vu le film, bien sûr, venir échanger quelques mots avec moi sur ce film et donner votre avis sur le film. Attention, ce n'est pas un débat, hein, c'est vraiment donner votre point de vue sur le film pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Et je précise aussi que l'analyse de Jean-Baptiste Thoré, en effet, est absolument géniale. Parce que, alors lui, c'est un vrai spécialiste. Il vous en parlera mais alors, 1000 fois mieux que moi, évidemment. Parce que moi, je suis un petit rigolo à côté de Thoré. Hein, ça, je vous le dis. Franchement, j'ai pas les épaules pour en parler aussi bien que lui. Mais j'en parle avec cœur. Vous me connaissez maintenant depuis que je fais ces lives. J'en parle avec mes arguments, avec ma passion de cinéphile, tout simplement. Et voilà. Donc, je pense. Attendez, j'ai un petit problème de. Hop. Donc, je coupe ça tout de suite. Voilà. Et pour revenir donc. À l'intérieur du film, donc je parlais donc de mise en scène, je parlais aussi de l'intrigue qui est absolument captivante. Et non, je ne me sous-estime pas, John, mais disons que je sais rester à ma place par rapport à d'autres personnes qui donc sont quand même des vrais esthètes en matière de cinéma, d'analyse filmique, comme Jean-Baptiste Thoré, qui est vraiment un spécialiste du genre, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui explore le cinéma de façon vraiment magistrale. Et moi, je me régale à entendre ses discours. Écoutez, bon, après, moi, je vous l'ai dit, je parle sur cette chaîne de cinéma de genre avec mes mots, avec ma façon d'être. Mais voilà, j'essaie de vous faire aussi partager
l'envie de voir un film. Et j'espère que à travers ce que je vous expose, vous avez réussi, à travers tous ces rétro movies, à découvrir des films comme celui dont j'ai parlé l'autre fois, l'Opération Diabolique alias Sequence, et quand même un film aussi qui a marqué son temps. Enfin bref, de vraiment explorer toute une facette du cinéma de genre que vous ne connaissez pas pour certains, et qui, j'espère, va vous réconcilier avec la richesse de ce cinéma qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on a d'autres choses qui sont bien, mais c'est plus, je dirais, comme je le dis toujours, c'est plus les réalisateurs de l'époque. Les réalisateurs d'aujourd'hui, c'est plus les réalisateurs de l'époque. Il y a une autre façon de faire du cinéma. Tout n'est pas à jeter, bien sûr, mais pour moi, il y avait une richesse beaucoup plus importante en termes d'idées, même d'adaptation cinématographique, par rapport aux années 60 à 80. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Alors, on va revenir sur le film et je vais vous passer d'autres images importantes. Et j'aimerais qu'on revoie également deux, trois choses sur le trailer. Juste un instant que je retrouve les images. Alors, désolé si je ne peux pas afficher vos commentaires au fur et à mesure. Voilà, merci Thierry. Alors, juste un instant que je retrouve les images. Voilà, donc voilà, ici on est donc dans la fête hein, qui se prépare. Ça, c'est une des scènes qui approche, je dirais, d'un congrès en fait où se déroule une réunion où donc ce qui va amener le journaliste joué par Warren Beatty vers ce congrès donc où se réunissent des hommes politiques. Et je vous assure que le climax final est vraiment génial, avec vraiment les derniers plans sont vraiment fabuleux, en tout cas en termes de visuel et en termes, je dirais, de ce que ça vous laisse comme impression en tant que spectateur. C'est vraiment magistral et c'est vraiment un véritable film sur un thriller politique. Avec, je dirais, une ambiance absolument claustro parfois, et surtout vers la fin. Et il y a un véritable coup de maître de la part de Pacula en traitant cette histoire de façon, bien sûr, très sérieuse, mais en même temps, qui arrive à donner vraiment de l'importance, non seulement, bien sûr, au personnage de Warren Beatty, mais aussi à celle-ci, le personnage joué par cette dame dont je ne me souviens plus, désolé. Je vais vous le dire tout de suite. Fini les auteurs et du cul la hauteur. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est l'actrice, c'est Paula Prentice, voilà, qu'on avait vu dans un excellent film dont je parlerai bientôt, les amis. Donc, c'est un film, si vous vous souvenez bien, c'est Paula Prentice, on l'a vu dans un film en mince de Brian Forbes que j'adore et dont je parlerai dans ce rétro movie sûrement, qui est Les Femmes de Stepford, voilà. Donc voilà. Donc je mets le commentaire de Greg qui est assez pertinent. La paranoïa est active, le complot est perceptible, mais la finalité des enjeux politiques ne sont que des données fluctuantes remises en cause par un typhon de non-dit qui noie la vérité. Parfait, Greg. Merci pour cette précision. JT Pop qui dit grande influence sur Ricomica et sur X-Files. Greg, ta réflexion sur le clair-obscur est pertinente. Tout à fait. Alors, pour continuer donc sur l'analyse du film, alors je dirais que de mon côté, en tout cas de par mes propos, donc comme je l'ai dit, le film donc aborde des thèmes profonds tels que la manipulation des médias, la conspiration politique, le contrôle de l'information et la perte de confiance dans les institutions gouvernementales. Voilà. Donc pour moi, il interroge également la nature de la vérité, la perception de la réalité. C'est vrai que l'enquête que mène Warren Beatty va le mener dans une contrée obscure auquel lui, il ne s'attend pas du tout. Et le fait de vouloir absolument, être déterminé pour avoir la vérité, va nous amener vers une conclusion absolument bluffante pour moi, en tout cas, de mon point de vue. Et je trouve que le film... est saisissant de par ce fond, justement, de par la morale finale, en fait, pour moi. Je suis un peu d'accord aussi avec Greg, évidemment, par rapport à ce qu'il traite. Donc, pour moi, la scène finale, hein, bien sûr, en particulier, qui, pour moi, reste une des plus mémorables hein, que j'ai vues en termes de films, justement, traitant le sujet
complotiste. Voilà, et donc c'est absolument génial de voir comment Pacula réussit brillamment justement à faire de ce film vraiment quelque chose d'original, quelque chose qui, avec le temps en tout cas, a fini par devenir, je dirais, aussi un film qui connaît justement un succès d'estime et de reconnaissance justement avec le temps. Il n'a pas eu de succès commercial à l'époque, comme d'autres films de la même époque, comme sont par exemple Les Hommes du Président. Mais il est considéré donc comme un film culte, et puis donc il a influencé aussi par l'Axiou de nombreux réalisateurs et cinéastes, notamment dans ce domaine, donc, comme j'ai dit, des thrillers politiques et conspirationnistes. Et je vous en citerai un que j'adore et que je trouve absolument essentiel, qui s'intitule donc... attendez, je vais vous mettre une autre image. Qui s'intitule donc The Winter Kills. Excellent thriller paranoïaque également. Je vais mettre le commentaire de Master. Si vous n'avez pas vu The Winter Kills, qui est vraiment dans la même veine, qui est sorti en 79, c'est vraiment, on est encore une fois dans ces années 70, vraiment dans un côté sombre, un côté nihiliste dans les histoires que les, souvent, en tout cas venant des films américains, que les réalisateurs traitent. Voilà, et Masterfield nous dit « Rappelons que le personnage de Warren Beatty est un dilettant sans grande morale, c'est le meurtre de son ami qui va le motiver pour aller au bout, absolument. » Voilà, oui, parce qu'il y a aussi voilà, une histoire de meurtre des proches, d'un proche de Warren Beatty dans le film, et qui va donc encore plus le motiver à être déterminé pour avoir la vérité, pour trouver quelle est la raison, en fait, de ces assassinats. Et de l'assassinat du sénateur du début, par exemple. Mais même si son ami n'avait pas été tué, il a quand même envie de connaître, parce que l'assassinat du début, quand même, le travaille beaucoup. Et, voilà. Et on sent, bien sûr, il y a des personnes qui veulent l'écarter de cette affaire, qui l'avertissent de ne pas aller plus loin, bien sûr, comme toujours dans les films conspirationnistes, quand vous avez un personnage central qui enquête, vous avez aussi le fait que cette personne donc est écartée avant qu'il ne soit quelque part trop tard. Mais là, je ne sais pas si oui ou non il trouvera la vérité. Je ne vais pas vous le dire, évidemment. Je vous laisse la surprise. Salut à Carmitou. Salut Carmitou, bienvenue. Et je vais vous dire également que par rapport à ce film, ce qui est intéressant, c'est que comment dire. Pour moi, c'est un film, un thriller politique qui a une connotation presque fantastique hein, de par la Parallax Corporation. Je vous dis, cette société secrète qui emploie qui manipule des personnes pour en faire des tueurs à gages. Bon, ça, vous le savez au milieu de l'histoire, c'est pas un spoil, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas dévoiler ici, c'est la fin de l'histoire. C'est vraiment la finalité. Donc, je préfère vous laisser découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout de Parallax View, par vous-même découvrir le film. Donc, c'est un film donc, qui offre, comme je l'ai dit, une réflexion profonde sur le pouvoir, la manipulation, la nature de la réalité, grâce à la maîtrise de la mise en scène et des performances d'acteurs, qui est combinée à ces thèmes pertinents. Donc, ça en fait un film à la fois, je dirais, stimulant de façon intellectuelle, divertissant, voilà, et inoubliable quelque part, parce que moi, c'est un film sur lequel je voulais vraiment revenir parce qu'il me parle énormément. Et dès qu'on parle de complot, de conspiration, je trouve ça toujours fascinant de voir comment on manipule les gens ou comment on peut, je dirais, amener... Attendez, je vais changer les images. Amener à changer, je dirais, la donne par rapport au pouvoir. En place et par rapport aux objectifs de certains. Alors regardez bien cette image. Cette image, voilà, montre tout à fait, je dirais, le côté, je dirais aussi mystérieux du film. Voilà, cette enquête donc amène, par exemple, le personnage de Warren Beatty donc à être interrogé. Et ici, on a l'impression qu'il est presque dans un contexte futuriste en fait, hein, une sorte de laboratoire où on va l'interroger avec une sorte de détecteur de mensonges, comme vous pouvez le voir sur l'image
à gauche et à droite au niveau de ses mains. Et c'est un film absolument fascinant. Il y a des scènes qui révèlent encore une fois ce côté, je dirais, très plus le personnage de Warren Beatty avance, et donc plus il avance vers quelque chose de, je dirais, de nébuleux en fait par rapport à la mort du sénateur du début. Et évidemment, ça va poser des questions sur sa quête de vérité. Et évidemment, on va être, moi je dirais, du début à la fin, on est avec lui en fait. Hein. On est vraiment, on accompagne, je dirais, son enquête et on a envie que ce personnage trouve, aspire à la vérité. Parce que voilà, on veut avoir le fin mot de l'histoire. La fin est absolument géniale, vous verrez. Et elle relève aussi de ce que le cinéma de l'époque était capable de faire en termes de thriller paranoïaque. Et n'hésitez pas aussi, les réalisateurs de l'époque, à montrer, je dirais, le versant sombre de la société, je dirais, d'un système, d'un pouvoir en place pour nous montrer des choses absolument étonnantes, voire effrayantes, voilà, et qui nous font penser que nous ne sommes rien par rapport à certaines instances qui se voilà qui peuvent en douce ou de part je dirais dans l'ombre, en tout cas agir dans l'ombre de façon absolument terrifiante en fait. Voilà, donc Grégory dit le film révèle sa dimension hybride, un thriller d'un apparent classicisme qui se mue très vite en parabole expérimentale sur les effets de la parallaxe. Oui. La Parallax Corporation, la Parallax View, le passage de l'archaïsme à la modernité. Voilà. Je reviens de faire mes courses, mais plus rien à boire. Ah oui, alors Julien a le don pour nous mettre dans l'ambiance de la bouffe, tout de suite. Masterfield, voilà. Donc, je vais maintenant clôturer, les amis, parce que je pense avoir fait le tour. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une vidéo qui est censée durer 3 heures non plus. Hein. L'essentiel, c'était de vous présenter quand même l'intérêt de connaître ce film, de le découvrir. Maintenant, je suis prêt à vous entendre, à vous mettre le lien. Et si vous voulez en parler quelques minutes avec moi, ou donner simplement votre avis sur le film, vous êtes les bienvenus. Donc, je mets le lien, mais si au bout de 2-3 minutes, il n'y a personne qui vient, bah, on clôturera cette vidéo. Et puis, je vous retrouverai sans doute ce soir, donc à partir de 21h30. Je suis désolé, ça commence un peu plus tard. Parce que je serai donc aussi en intervention sur le live de la séance de minuit de Damien. Voilà, d'ailleurs, j'étais sur le live de la séance de minuit hier, et puis ensuite, j'ai été voir un peu le live de Romain. Voilà. À la fin, donc, fragmentation de l'écran en deux hémisphères, celui du haut, obscur, abstrait, celui du bas, lumineux et concret. Voilà, donc, sans spoiler, Grégory fait passer un message. voilà. La moelle épineuse. Merci Grégory, si j'avais vu quelques vidéos de Attention, ça tourne en replay. Quel plaisir de suivre les lives. C'est gentil à toi, la moelle épineuse. Voilà. Ensuite, il y a je parlais de mise en scène tout à l'heure. Et il y a également Grégory qui dit, et ça je suis d'accord, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est une autre. Voilà, c'est ça. La mise en scène donc multiplie les lignes de fuite à travers des jeux de miroirs et des redoublements d'espace qui touchent au faramineux. Voilà. Façade multifilétrée du gratte-ciel qui écrase le héros. Voilà, je ne pouvais pas dire mieux que toi là-dessus, mais en tout cas, ma vision de la mise en scène rejoint un peu ce que je disais, ce que tu dis, Greg, mais d'une autre manière, je le disais. Mais pour moi, donc, ça joue aussi sur les yeux d'ombre et de lumière, évidemment, cette mise en scène. Donc, il y a vraiment une recherche esthétique au-delà d'une histoire qui est passionnante. Vraiment, je vous dis franchement, ce film, c'est une pépite. Il faut absolument que vous ayez l'opportunité de le découvrir. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Sachez simplement que à partir du moment où le personnage de Freddy, donc joué par Warren Beatty, décide de s'infiltrer dans la Parallax Corporation, dans cette fameuse société secrète, hein, en se faisant passer pour lui-même pour un des candidats potentiels, voyez, voilà. Et donc il est soumis, et c'est ce que je voulais, cette image montre, il est soumis donc à une série de tests, hein, il est soumis à une série de tests. Donc qui vont des tests psychologiques en fait, des simulations de mission, et là il est exposé à des images, des idéologies concis pour manipuler un peu comme ses croyances et ses comportements, un peu, si vous vous souvenez, un peu comme dans le film de Kubrick Orange Mécanique, quand le personnage joué par Malcolm McDowell est donc mis face à des images censées le conditionner pour qu'il change de personnalité en fait, pour qu'il devienne
malléable, gentil, docile, si vous vous rappelez bien. Et c'est un peu le même principe quand donc le personnage joué par Warren Beatty se fait interroger par ses tests. Voilà, il y a cette façon de faire. Donc le film est vraiment passionnant. C'est vraiment absolument génial. Et salut Anne. Il semble que le cinéma induise des expériences d'état modifiées de conscience. Alors Anne, tu as été particulièrement gâtée par la vision de l'opération diabolique. Eh bien, tu vois ici, si tu as l'occasion, alors je ne sais pas, peut-être tu l'as déjà vu ce film, mais si tu ne l'as pas vu, voilà, au même niveau que Seconds, que l'opération diabolique, ce film-là, si tu ne l'as pas vu, il faut absolument que tu le découvres parce que tu vas prendre une sacrée claque. C'est un film absolument magistral d'un point de vue de l'écriture, des acteurs, donc de la direction d'acteurs, des performances des uns et des autres, que ce soit du rôle principal à tous les rôles secondaires, etc. Et bien sûr, à la mise en scène. Grâce à la chaîne, un autre grand film ajouté à ma longue liste de films à découvrir. Bah écoute, Kermitou, j'en suis ravi, ça fait plaisir. Comme ça au moins, si ça peut apporter, si ça peut vous apporter un plus. Il est au centre, loin dans le cadre, perdu dans l'image, écrasé par la mise en scène comme s'il n'était qu'un pion. Jamais vu, Anne. Ok, bah voilà. Donc tu te réjouis. Et donc, si tu te réjouis, bah écoute, tu vas sans doute être comblé par ce cinéma absolument inventif de l'époque hein, que nous ont offert ces réalisateurs américains, et pas que américains. Hein. Je vous ferai découvrir aussi d'autres films, comme le cinéma tchèque à travers, par exemple, je vous parlerai bientôt de L'incinérateur de cadavres de Juraj Hertz, qui est un film qui m'a absolument retourné le cerveau. C'est un film absolument incroyable, L'incinérateur de cadavres. Je reviendrai sur ce film parce que, croyez-moi, c'est un film qui mérite qu'on en parle. Et je suis là aussi pour vous faire connaître des films absolument tellement différents, atypiques dans le cinéma de genre que si je peux me régaler donc, à vous apporter une pierre de plus à votre édifice cinématographique, bah, tant mieux. Voilà. Donc, je vous mets maintenant, il est 6h18 et il me reste 10 minutes avant de vous quitter. Donc, je vais mettre le lien si vous voulez simplement me donner votre avis sur le film. Vous venez. Salut Anne Brildor. Bonsoir à tous, une ligne de plus dans ma liste. Merci, je t'en prie. Avec plaisir. Voilà, j'affiche ton commentaire et j'en suis ravi. Merci aux 20 personnes qui me suivent aujourd'hui. Voilà. Donc, il est 6h20. Je termine bientôt donc cette rubrique. J'espère avoir fait le tour, je pense avoir fait le tour de la question sur le film. Les commentaires aussi ont appuyé ce que j'ai pu dire, notamment par les commentaires des habitués qui ont vu ce film, comme Greg, comme Masterfil, je ne sais plus qui encore, Terry, je ne sais pas si tu l'as vu, La Moelle Épineuse, John aussi, voilà, enfin bref, ceux qui avaient envie de dire quelque chose aujourd'hui pour parler de ce film. N'hésitez pas. Alors, je vous mets une autre affiche ici. Voilà. Je vais vous remettre aussi ceci. Je vais vous remettre le trailer parce que, pour le plaisir, simplement, pour vous redonner un peu, pour ceux qui sont arrivés après dans le chat, pour vous donner un peu une idée de ce que représente le film, voilà, en termes d'ambiance, je dirais, générale. Sans que le film spoil quoi que ce soit, évidemment. Donc, je vous remets le petit trailer. À tout de suite. Independence Day is very meaningful to me because sometimes I've been called too independent for my own good. It is the conclusion of this committee that Senator Carroll was assassinated by Thomas Richard Linder. The committee wishes to emphasize that there is no evidence of any wider conspiracy. No evidence whatsoever. These people were killed. And whoever killed them is going to try to kill me. If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work of your life. This story is going to mean more to me than $10,000. Fella, you don't know what this story means. Mm-hmm.
Alors, le film est sorti en Blu-ray, hein, donc tant mieux pour ceux qui veulent l'acheter en tout cas. Alors, moi, je ne l'ai pas acheté, mais je le ferai sans doute. Voilà, c'est un film que j'avais découvert pour la première fois, bah, c'était lors d'un festival, hein, et j'ai pris une sacrée claque en le voyant. Voilà. C'est vrai que ça reste un film qui m'a marqué. Voilà, parce que je dirais que ça reste pour moi, c'est mon ressenti sur ce film, c'est. Voilà, c'est encore une fois le cinéma que j'aime, qui explore le sombre, le côté, je dirais, nihiliste de certaines facettes de la société, du pouvoir aussi, bien sûr, de la manipulation mentale. Voilà, une exploration donc captivante des thèmes de la conspiration politique. Ça, c'est un thème que j'adore dans le cinéma, la manipulation des médias, la perte de confiance. Voilà, il y a des rebondissements aussi qui m'ont beaucoup plus inattendu, et les mystères non résolus qui maintiennent l'intérêt pour moi jusqu'à la fin du film. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, une bonne fin d'après-midi. Voilà, en ce dimanche, une excellente semaine également. Et puis Terry, je t'invite vraiment à découvrir ce film au plus vite. Parce que je sais que tu ne t'intéresses pas qu'aux slasheurs, heureusement. Voilà, donc c'est un film typiquement d'actualité, comme dit Anne, évidemment. Absolument, Anne. Et c'est un film qui fait froid dans le dos, quelque part. Parce que découvrir ce que font plutôt certaines, je dirais, instances ou institutions, ou plutôt sociétés, dans le plus grand secret pour arriver à leur fin, eh bien, c'est toujours effrayant. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de vous faire partager ces moments en direct pour cette rubrique. Je vous dis à ce soir, pas avant, un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Moi, je commence un peu plus tard demain, donc je me le permets. Ben, resteront ceux qui peuvent, évidemment, ceux qui veulent. Je vous donne rendez-vous à 21h30 pour la diffusion, d'un film. Alors, le film ce soir que je vous propose, c'est donc soit. Donc, Pension Paola de Francesco Barelli. Donc, c'est un film à l'atmosphère unique. Hein. Ce n'est pas un vrai giallo, ce n'est pas un giallo. C'est un film, je dirais, d'ambiance très étrange, mystérieux, déviant un peu. Voilà, j'en dis pas plus. Il faut le découvrir par soi-même. Alors, ce sera soit l'un des trois films que je propose, Pension Paola, ou sur Twitch, bien sûr, ce soir, on se retrouve. Ce sera donc l'autre film, c'est. Mince, je ne l'ai plus en tête, c'est Le Monstre Attaque, qui s'appelle en fait Alien 2 sous la Terre, un film italien, bis, évidemment, mais un film généreux, en gore, etc. Donc un bon vieux bis à l'italienne. Et puis vous avez en troisième, j'ai changé le titre, en troisième, je vous propose donc une rareté, un film qui s'appelle The Visitor, le visiteur maléfique en français. Avec Franco Nero, une sacrée distribution, Glenn Ford, John Huston, un film fantastique. Absolument étonnant. Voilà, oui, et donc, comme précise Greg, c'est un film déviant, tout à fait. Pension Paola. Voilà, même nom sur Twitch. Alors, non, je vais te mettre le lien Twitch. Oui, c'est une bonne idée parce que Twitch, la chaîne Twitch, en fait, s'appelle Arcania. Ah, excuse-moi, là, vraiment, il faut que je revoie le. Je vois, j'oublie. Le... Oui, c'est Twitch TV Arcania. Attends, je te mets le lien. Comme ça, si tu veux rejoindre Anne Brildor, tu es le bienvenu. Voilà. Voilà le lien de la chaîne Twitch pour voir les films, les diffusions que je fais. Voilà. Pour nous, les passionnés de mille, ça peut paraître peu, mais cela me semble refléter le marché actuel. Pascal, merci. Et merci aussi pour hier, car j'ai noté deux films de SF d'horreur. Ok, ben, je t'en prie, John. Avec plaisir. John, c'est bien toi qui fais un petit live sur ta chaîne ce soir. C'est bien John, le John que je connais, John the Fool. À chaque fois, je confonds avec deux John. Qui correspond d'après un film que je cherche, Ersatz d'Alien. Sur Prime, alors, sur Prime, chercher Parallax View pour le trouver. Il y est? Parce que moi, j'ai Prime et je ne me sens pas avoir vu qu'il y était. Hein. Mais tant mieux s'il y est. Alors, est-ce qu'il peut-être qu'il est à l'achat aussi? Oui, Terry, si ça te dit, on va bientôt parler de la guerre des gangs de Fucci, un Polizesco vraiment vénère. Terry, si ça t'intéresse, je crois que tu étais partant pour ce film-là.
Et n'oubliez pas que bientôt, nous ferons un live également sur l'enfer des zombies. Au moins, je crois que c'est courant mars. Voilà. Mais d'ici là, il y en aura d'autres, évidemment. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse, bien sûr, sur les images, ou plutôt la musique, pour les deux dernières minutes. La musique excellente de ce Parallax View ou À cause d'un assassinat. Je vous le mets tout de suite. Voilà. Ciao, ciao! Et à tout à l'heure si vous êtes là. Bye bye!